sommes au palais ce lundi 7 février, conformément aux instructions du colonel Mamoudou Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la remise officielle des trois bus à M. le président du CNT, pour faciliter le travail des conseillers nationaux. Un message particulier, non, mais c'est juste témoigner que le président veut outiller et donner tous les moyens au CNT pour faire la mission de conseiller qui leur a été assignée. Et ça commence par la mobilité, ce problème est déjà résolu et les autres problèmes viendront par la suite. Faire un bon travail et mettre notre pays sur les rails, on doit incarner en nous-mêmes le changement que nous voulons que les autres fassent. Et je vous assure qu'avec ces moyens de mobilité et d'autres moyens qui nous seront mis à disposition, et ça va renforcer cette volonté et nous allons faire un bon travail dans l'intérêt du pays. Et je remercie le président de la transition, le chef de l'État et chef suprême des armées et le ministre, monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, le ministre directeur de cabinet, qui constitue la cheville ouvrière de la présidence de la République et une forte délégation qui prouve à suffisance que le CNRD accorde de l'importance au travail du CNT. Nous sommes reconnaissants et nous traduirons ça en actes concrets, en actes indélébiles dans l'intérêt de notre pays.